Hamad et le ministre Fournier, le ministre de la Justice, ont tenu une conférence de presse et M. Fournier vient d'annoncer qu'il va poursuivre Air Canada. As we speak now, Sam Hamad, Minister of Industry, and Mr. Fournier, Minister of Justice, are holding making a press conference, and they say that they will go against Air Canada and force Air Canada to enforce the Air Canada Act. Now what we are expecting is that BC, British Columbia, and the Manitoba government will join together with Quebec and go against that company who doesn't care about its employees. Okay, on espère que le gouvernement de la Colombie-Britannique et le gouvernement du Manitoba va se rallier avec le gouvernement du Québec et poursuivre Air Canada dans sa lutte afin que tous les employés d'Air Canada à Montréal, à Mississauga, à Winnipeg et à Vancouver regagnent leur fierté, leur emploi et qu'on ait des emplois décents et finalement qu'on puisse mettre du beurre et du pain sur nos tables! Thank you.
Qu'on avait fait pendant des années. Là, on voit qu'ils sont là. On va aller se battre pour ça. Mais aujourd'hui, j'ai encore quand même 95% de la flotte d'Air Canada qui est envoyée à l'extérieur du pays. On parle de première aviation puis d'avionneur. C'est des petits checks, ça. J'ai assuré la situation que présentement 95% est en dehors du pays. Faut ramener l'ouvrage là tout de suite. Les moyens juridiques, c'est excellent. Mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre au-dessus de 10 ans s'ils se rendent en cours suprême. Fait qu'il faut que ça bouge. Ça. Okay. Bravo, mon Jean, lâche pas, tu fais de bonne garde. Soyez là. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On lâche pas, boys. All right. Salut. On lâche pas. On lâche pas. Bye bye. Merci. On lâche pas. Non. Merci. De... Oui, jusqu'au bout. Merci. Merci d'être là. Bonjour, les boys. Lâche pas la bataille. Bye bye. On lâche pas les boys, c'est derrière. Salut. On lâche pas. Allez, j'en ai. Salut. Merci. On lâche pas. Salut. Merci. Il n'y a rien. On lâche pas, hein? Non, on lâche pas. Ok, on va être jusqu'au bout. Il n'y a rien. Ouais. Écoute, quand tu vois des travailleurs comme ça s'en aller, qui n'ont pas d'ouvrage, qui ont encore la fierté de vouloir se battre, ça te donne le goût de continuer, puis on va se battre jusqu'au bout.